C'est un poème de Paul Celan. Chanson d'une dame dans l'ombre. Quand la taciturne vient décapiter les tulipes, qui gagne? Qui perd? Qui va à la fenêtre? Qui dit le premier son nom? Il y en a un qui porte mes cheveux, il les porte comme on porte des morts dans ses bras. Il les porte comme le ciel portait mes cheveux l'année où j'aimais. Il les porte par vanité de la sorte. Celui qui gagne, celui-là gagne. Celui-là ne perd pas. Celui-là ne va pas à la fenêtre. Celui-là ne dit pas son nom. Il y en a un qui, à mes yeux, il les a depuis que des portails se ferment. Il les porte au doigt comme des bagues. Il les porte comme des brisures de plaisir et de saphir. Il était déjà mon frère à l'automne. Il compte déjà les jours et les nuits. Celui-là gagne. Celui-là ne perd pas. Celui-là ne va pas à la fenêtre. Celui-là dit son nom en dernier. Il y en a un qui a ce que j'ai dit. Il le porte sous le bras comme un ballot. Il le porte comme l'horloge porte sa plus mauvaise heure. Il le porte de seuil en seuil, il ne le jette pas. Celui-là ne gagne pas. Celui-là perd. Celui-là va à la fenêtre. Celui-là nomme le premier son nom. Celui-là, avec les tulipes, sera décapité. Les trois frères avaient construit une planque souterraine pour leur mère, mais celle-ci ne pouvait pas durer. Gershom n'avait pas pensé que les Allemands utiliseraient des chiens renifleurs pour découvrir les planques. C'est pourquoi il s'appliquait à creuser sous le ghetto une immense caverne, dans la continuation de l'endroit où se cachait sa mère. La caverne serait bientôt prête. Il serait impossible de la découvrir. Elle ne craignait ni les bombes, ni le feu, ni les chiens. Il y transférerait sa mère et on pourrait aussi y entreposer mes trésors et les archives du ghetto. Il me promit de me montrer son travail. Il me fit entrer dans un sous-sol obscur situé sous un bâtiment de briques en ruine et il me dit de lui tenir la manche afin que nous ne nous perdions pas en chemin. Arrivé dans un coin du bâtiment en ruine, il alluma une petite lampe. Il déployait la terre, il déblaya la terre avec un doigt et souleva deux planches. « Venez, nous avons rampé pendant environ 5 minutes dans un étroit boyau en pente, puis il me dit de me tenir à une rampe. Après avoir suivi la rampe, il souleva à nouveau deux planches et de la lumière jaillit. « C'est ici que je cache ma mère », me dit-il en me montrant une femme allongée comme un tas d'os sur des couvertures et des coussins. « L'électricité ne provient pas du ghetto, afin que ma mère ait de la lumière au cas où le ghetto serait cerné et où les Allemands couperaient l'électricité. Ma mère est là depuis un an et demi. Elle a déjà échappé à 7 rafles et j'espère qu'elle survivra à Hitler. » En entendant nos voix, la femme tourna la tête et s'adressa à son fils. « Gershon, as-tu apporté des bougies ?» Gershon sortit 2 bougies de sa poche et les posa sur une chaise. Nous étions vendredi. Il me conduisit jusqu'à sa mère et me dit en me désignant « Maman, ce jeune homme t'a apporté un ouvert compte mircré ». La vieille petite vieille s'efforça de sourire. Elle tendit sa main et m'assied, prit le livre de prière et la fourra sous son coussin. On entendit un bruit qui me fit sursauter. « J'ai branché le ventilateur », me dit Gershon pour rassurer. Il poursuivit la visite. Bon, on va circuler là jusqu'en... C'est l'histoire d'architecture. Quand on est coincé, c'est-à-dire qu'on est coincé le double bind par effet moteur. Tu es coincé dans une impasse, une double impasse, une triple impasse. On appelle ça, on va essayer de s'en sortir, l'issue de secours. Et tu construis à l'intérieur des architectures recourir à les forces de possibles potentiels de besoins. Avec évidemment cette entreprise qui est tout à fait, évidemment, forcément paradoxale. Là, on est dans un auditorium, on l'a bien vu, c'est un dispositif. Il y a des chaises, il y a une table, il y a même des micros, enfin, dispositif de représentation. Mais de ce dont on parle, on est en train de fouiller dans le ghetto. Et bon, tu as dit, Nicolas, le rythme. Agnès a dit aussi tout à l'heure, bon, effectivement, quand on entend John Baez chanter, on ne voit pas la nuque de Adorno qui répond en cas de figure de nécessité, la nécessité critique.
de dire oui, mais est-ce que cet événement-là a réellement eu lieu? Je crois que c'est pas pour résumer, parce que c'est très difficile. La légitimité, le point de vue légitime, le point de vue, l'axe crucis orthodorsal. Quand tu es obligé de ramper, parce que tu peux, soit tu t'en sors, soit tu t'en sors pas, peut-être le planqueur, c'est-à-dire le fixed, est-ce que ça s'appelle comme ça, Agnès? Ben, celui qui est employé pour indiquer aux critiques, c'est-à-dire aux journalistes, où est-ce qu'il faut aller. À Bagdad, par exemple. The fixed. Fixeur, le fixeur. Bon, c'est une question qui est troublante, parce qu'on avait évidemment envisagé toutes sortes de propositions à venir, rafraîchissantes, et comme disait Patrick, le temps nous déborde. Comme une espèce de quatre pliures, alors il y a besoin de marcher. Déployer cette structure qui nous échappe à chaque instant. On peut dire, on va se rappeler qu'il y a eu cet événement à tel moment. Une fenêtre qui s'ouvre, quelqu'un qui apparaît, une phrase qu'on a entendue, avec ça s'appelait un point of view. Avec avoir un point de vue. Bon, on n'aura pas le temps de ramasser tout ça. D'ailleurs, ça fait déjà 3 jours que vous êtes employé à essayer de démêler. Mais il ne faut pas revenir en arrière. Le point de vue de l'émancipation, c'est-à-dire une cartographie qui rend possible, extensible le temps, avec des conditions relatives. Quand tu décris, Patrick, que pour appuyer une colonne sur un pour pas que ça se casse la figure, il faut quand même que tu fasses une esquisse. Non. Ah bon? Mais non, je pense que c'est pareil. D'abord, parce que il faut le faire, et si ça tombe, tout le monde a compris. C'est-à-dire, donc c'est pas la peine de dire je sais, donc c'est pas la peine d'expérimenter, parce que sinon on n'inventerait plus rien. On continue à inventer des chaises, des tasses, des habitations, des vêtements, des spectacles, des œuvres, des photos. On ne ferait rien. Donc on doit faire des choses par mimétisme, parce qu'on a vu quelqu'un le faire, et on veut faire le contraire. Donc on ne veut pas faire comme il a fait. Et éventuellement, on fait par expérimentation. Parce qu'on se dit, tiens, ne faisant pas comme lui, j'expérimente autre chose. Donc justement, il faut retourner à cette situation ou repartir d'un pas, et d'un bon pas, et lentement, et peut-être tous ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller vite pour aller nulle part. Ce n'est pas la peine d'aller vite pour faire un panneau solaire qui va empêcher qu'un champ produise des pommes de terre, et qu'on produise éventuellement une plaque chauffante pour faire cuire des pommes de terre qui n'existeraient plus. Donc, il faudrait peut-être mieux se dire, et si on plantait une pomme de terre, et qu'on n'a peut-être plus besoin de lumière, puisqu'on a la lumière du soleil. Oui, c'est plutôt se retourner des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut expérimenter. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose que ce n'est pas nécessaire de faire des œuvres d'art pour faire de l'art? C'est-à-dire, Ah si? bien sûr que non, parce que ça revient à Ah non. mettre des panneaux solaires sur le champ qui l'empêche Non. les pommes de terre. Non. Ah non. Ah non. L'ange au sourire, cathédrale de Reims. Texte de Robert Anthem. La cathédrale de Reims est une ville comme les autres cathédrales gothiques. Rigueur, désordre, passion romane, sublimée. Elle a de la ville l'achèvement, la vibration des visages, la puissance et la tolérance. L'œil qui brille, comme l'a vu Malraux, le rythme. Le désordre est intégré. Les statues gothiques ont la souplesse de l'idée. Elles se connaissent. Aucun des personnages n'est enfermé dans sa passion solitaire. C'est l'édifice d'un lyrisme et aussi d'une société qui se tient et se contient en lui. Édifice sublime du pouvoir qui s'élance et s'étale comme le seul. À l'écart, il y a cet ange qui sourit, la tête penchée. Il n'appartient pas au monde qu'il côtoie. Statues qui sont des cariatides, sereines sans doute. Car la vérité qu'elles expriment est déjà bien affirmée, moins lourde à porter, familière, mais les cariatides tout de même de cet ensemble, de ce corps qu'elles constituent à elles toutes immuables. Lui ne porte rien. Des anges de la chrétienté, il est sans doute le seul qui n'appartienne pas à cette histoire.
Il n'est pas surpris des larmes des femmes. Il n'est pas non plus dans la joie commune, dans la gloire de tous, ni dans le peuple des délicieux musiciens. Il ne triomphe d'aucun mal. En rien, il ne participe au pouvoir. Il ne règne pas. Le sourire de Reims fait mieux saisir combien celui du Bouddha et de l'Extrême-Orient est le sourire de l'autorité. Tout est renvoyé à la lourde égalité. Tout est par essence dans la vanité de tout, et sans doute ce mouvement de renvoi ne pouvait-il s'incarner que dans un sourire, et sans doute aussi ce sourire ne pouvait-il être que celui de l'autorité. Si le sourire de Reims n'est pas celui de l'autorité, c'est que l'ange est dans la ville comme perdu, et pourtant le seul visible. Il n'est pas la pierre qui, avec d'autres pierres, porte l'ensemble de cette famille serrée sur elle-même, énorme, diverse et étroite, où chacun garde un nom et qui a couronné de ses noms tant de postérité. Ce qu'il est, c'est écrasé. Pourtant, il n'est pas écrasé par cet édifice-là, par cet événement, par ce pouvoir-là. Il est écrasé de toujours, pour toujours. Être sans pouvoir, c'est son essence. Son sourire ne peut être celui du règne. Être de toujours, mais surtout devoir être toujours, et ce sourire ne peut être celui de l'ironie. La légère inclinaison de la tête, où sont la connaissance et l'obéissance, l'habitude. Le commandement auquel il obéit, c'est le regard, n'importe quel regard sur n'importe quoi. De l'homme à l'herbe, de l'homme à l'homme, de l'homme à l'absent, ce qui est là, c'est sa figure. Étouffée ou radieuse, elle est là, obligée. Parole, image, musique, tout le dit et rien. Il est au cœur du domaine où toute relation va naître. Éternellement recommencé, ne possédant rien, ne pouvant rien, il est obligé d'être là, toujours. Et s'il arrive que l'on dise « la seule transcendance, c'est la relation entre les êtres », dans le bonheur et dans les larmes, c'est lui que l'on voit, otage régulier de cette prodigieuse Bastille, ni maître ni frère, il est dans ce qui se passe, ce qui ne peut pas et ne peut pas être reconnu. »